Parce que l'heure a chassonné, son honorable Ndefolanda, le chef de la grande famille, est déjà là. Nous prions tous ceux qui sont venus donc l'accompagner, tous ceux qui sont venus compatir avec cette grande famille, de se regrouper derrière lui, parce que nous allons effectuer la descente du deuil dans une poussière de minutes. C'est moi, le notaire Bameka, Banofeta Kumba, chef supérieur, le roi Bameka, un serviteur du roi Bameka, il a fait au moins 9 ans à la chefferie. Sans retrouver sa concession. Mais aujourd'hui, je suis là pour soutenir Ndefolanda, un voisin, un beau, parce que je lui ai donné au moins 3 filles qui sortaient de ma concession pour pouvoir le soutenir. Je lui remercie encore d'avance parce qu'il m'a soutenu aussi en disant que non, tu ne peux pas manquer à ce deuil. Oui. Juste parce que quand un noble ou bien un notable hiérarchie, quand il est là, c'est lui qui prend le pouvoir. Ce n'est pas pour lui simplifier, mais c'est pour lui donner plus d'honneur. Pour lui dire que non, tu as un soutien à côté. Quand tu prends déjà un couronne quelque part, c'est toi qui dois prendre. Il faut travailler, il faut faire l'effort de faire des œuvres, laisser des œuvres avant de partir. Oui, j'ai succédé, ça fait de cela 16 ans aujourd'hui. Ce sont mes œuvres déjà. Donc, même si aujourd'hui je laisse, mon successeur doit pouvoir peut-être dire que oui, voilà ce que mon père a laissé avant de partir. Sébastien Tala est le petit-fils du chef Badin. Bon, le feu chef Badin a été son grand-père et il est mort. Il demeure le fils du chef Badin. Même celui qui est là actuellement, il doit toujours l'appeler grand-père. Est-ce qu'il l'appelle grand-père? S'il veut la manquer, de la danse, le chef passé, le chef décédé, il doit venir vers celui qui est maintenant à la camp. Et comment de la tradition, lui, il a envoyé ses gens ici pour voir son grand-père qui est maintenant le successeur de son grand-père. Mais il demeure son grand-père. On demande d'abord, il a demandé d'abord à la chefferie
que dois-je faire? Il a envoyé, on lui a donné des conditions. Il a envoyé les démarcheurs. Bon, je parle en tant que démarcheur même. Je suis venu voir le chef à la camp pour lui demander ce que je dois faire et je l'ai fait. Supposons qu'il pouvait demander une chèvre, une tinébile ou n'importe quoi, ou l'espèce ou n'importe quoi. Je crois que nous l'avons remis et il a accepté le deuil. Prenez l'exemple. Accepter le deuil, il a fait comment? Il a manifesté. Il a fait le deuil avec nous. Et il ne veut pas sortir n'importe comment. Bon, s'il sort déjà pour faire le deuil, c'est qu'il a accepté. C'est qu'il donne le courage à son fils Tala. Il a soulevé la main de Tala, exactement comme son feu père l'avait fait au moment que nous sommes venus lui donner une voiture ici. Et j'ai estimé que notre arrière-grand-père mérite un cadeau aussi important de notre part. Parce que, comme on dit, il ne faut jamais oublier d'où on est sorti. Et nous retournons donc ici chez nous dans notre concession. C'est ici qu'est enterré, n'est-ce pas, le nombre de notre arrière-grand-père. Et nous sommes très reconnaissants. Très reconnaissants pour ceux qui aujourd'hui nous ont accueillis dans cette chefferie pour les mots de bienvenue et de remerciement de Sa Majesté Tala Sili. Nous lui en sommes, n'est-ce pas, très reconnaissants. Et nous remercions le village Badin pour cet accueil. Et ça nous va droit au cœur et ça nous fait comprendre que quelle que soit la durée, n'est-ce pas, je peux dire, d'une diaspora à l'étranger. Quand je dis diaspora, ça veut dire que nous qui sommes partis ici pour Bamika, nous étions de la diaspora Bamika, la diaspora Badin. Nous sommes quand même rentrés après des centaines d'années. Nous nous retrouvons ici aujourd'hui. On ne peut avoir qu'un sentiment de fierté, un sentiment de joie. Et nous sommes comblés d'être accueillis par notre papa. Et quand nous arrivons ici, c'est un peu comme si... je peux dire comme si nous sentions, n'est-ce pas, une bénédiction qui descend directement du ciel sur nos épaules, et vraiment nous sommes très fiers. Ça, c'est un jour spécial et nous sommes très très fiers. Merci encore et merci au Badin. Merci à la chefferie Badin. Merci à Sa Majesté Tala Sili. Merci à tous les bonnes vraiment. Pardon, en tout cas, nous avons fait pour souvent de ces choses, parce qu'on ne connaît pas bien. C'est un sentiment très grand joie, un très grand dans ma vie. Depuis que je suis comme chef supérieur Badin, depuis 2004, je crois que ce fils mérite devant Dieu et devant le peuple son nom que
sont de ça pour nous. Parce qu'il ne fait pas discussion de race ni de personnalité. Donc pour moi, c'est un très grand plaisir. Je crois que pour moi aujourd'hui, c'est une très grande fierté. Honorer comme je peux à tous les domaines. Merci. C'est pratiquement tout Baneka qui va donc venir célébrer la vie ici, célébrer la venue au trône du nouveau roi. Pour arriver là, il faut déjà rappeler que pour que cet événement ait lieu, il aurait bien fallu que mon arrière-grand-père et mon grand-père, n'est-ce pas, disparaissent. Et après donc sa disparition, les funérailles, disons les obsèques officielles ont été organisées, nous y avons participé. Et après cela, il fallait que le nouveau roi, n'est-ce pas, entre au Lakam, ce qu'il a fait. Et c'est seulement après qu'il soit entré au Lakam que nous pouvions avoir, n'est-ce pas, la date qui nous était impartie pour organiser nos funérailles en tant que petit-fils du roi disparu. Donc voilà un peu comment nous arrivons à cet événement. Parlant de l'événement proprement dit, il fallait bien, même, n'est-ce pas, se préparer. Nous avons eu à peu près 2 ou 3 semaines pour ça. Toute la famille Baneka de Baden a été mobilisée à travers moi. Et les contributions ont été faites jusqu'au bébé. Je peux vous rassurer, même les bébés ont contribué pour cet événement. Et nous nous sommes rapprochés, n'est-ce pas, de la cour du nouveau roi pour en savoir plus, connaître les modalités qui nous ont été données. Nous les avons, n'est-ce pas, respectées. Nous sommes allés voir ce qu'il fallait voir, les notabilités de la chefferie Baden qu'il fallait, n'est-ce pas, la notabilité, les notables qu'il fallait rencontrer. Nous les avons rencontrés. Nous avons rencontré, n'est-ce pas, la cour rapprochée du roi pour les détails par rapport à l'organisation de notre funérailles. Les exigences et leurs obligations, n'est-ce pas, ont été respectées à temps. Et voilà ce qui nous a donné le feu vert pour être ici aujourd'hui et organiser les funérailles proprement dit. Didier, un peu de musique pour chatouiller nos délicates oreilles, s'il te plaît. Monsieur Charles,
Voilà, s'il vous plaît, nous invitons les femmes. Les hommes se mettent un peu à côté, les femmes entamées. Ça va se passer comme un village. Ce sont les reines et les princesses qui commencent. Ce sont les princes et princesses, les reines, qui vont avec les hostilités et les hommes suivants. Conduite par un peintre de femme Violette. Et nous rappelons également que ce nom lui a été donné par Sa Majesté Palais. Donc c'était presque le dernier acte royal, un nom plein de signification, un nom plein de symboles. Voilà dans le cœur de deuil de femmes. Je vous donne un peu l'honorable unité de femmes violettes, conduisant les troupes, les notables d'un état sont bel et bien en place. La dignité de ta chambre, sa dignité est ici. C'est le temps des hommes.
sont arrivés ici. En termes de mes propos, nous avons un sous-chef également qui est onusien. Il est également là, il a tenu à venir soutenir le NUCAM. Je passe la parole au communicateur Baden. Thank you.
Oui, parlant de la tradition, nous sommes les gardiens des cases sacrées. Et à ce titre, nous nous assurons que, n'est-ce pas, la tradition qui est une chaîne ininterrompue des innovations sur le plan de nos us et coutumes, n'est-ce pas, est transmise à la prochaine génération avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire que des innovations qui permettent à la société d'évoluer et vivre toujours de mieux en mieux. Je vous prends un exemple, il y a de cela peut-être 500 ans, dans la vallée du Nil en Égypte, ce qui se pratiquait, ce n'est plus la même chose qui se pratique aujourd'hui dans notre société. Pourtant, c'est la source de notre immigration. Donc vous comprenez que ces choses-là ne sont pas des choses qui se font au hasard, non, c'est tout un enseignement et nous nous efforçons et nous rassurons que la prochaine génération, ce qu'on leur enseigne, ce sont des choses qui, il y a de cela 500 ans, étaient déjà enseignées, mais avec beaucoup de changements compte tenu de l'évolution de notre société. Voilà un peu comment, n'est-ce pas, nous nous arrangeons pour que toutes nos connaissances anciennes soient transmises à nos enfants dans leur essence même. Oui, en réalité, je suis un prince badin de la lignée de mon grand-père. Mon grand-père est parti de Badin il y a de cela à peu près 250 ans, à la suite, n'est-ce pas, de la non-succession du trône, au trône de son père. Son père était le chef Talé, qui à l'époque était le roi Badin. À sa mort, donc, mon arrière-grand-père est supposé être son successeur, mais malheureusement pour lui, les notables en décident autrement. Ce qui fait que il quitte de Badin, étant fâché, il part de Badin. Après avoir assisté à la cérémonie de prise du nouveau roi, il part de Badin en suivant l'émissaire spécial qui avait été envoyé par le chef Bameka. Et cet émissaire spécial l'amène à la chefferie Bameka, où il s'installe, le chef Bameka l'installe. Et il, n'est-ce pas, il reste pendant presque 5 ans. Et le chef Bameka, après les 5 ans, l'installe au quartier Latita Bameka en lui donnant une femme. Et cette femme, pour aller un peu plus loin, cette femme avec qui il s'installe, n'est-ce pas, lui donne une première fille qui s'appelle Mandefo. Mandefo, plus tard, ira se marier à la chefferie Futuni, où elle accouchera, n'est-ce pas, un enfant qui s'appellera Fonjo, qui plus tard deviendra roi Futuni. Et c'est donc comme ça que, généralement, dans notre famille, nous disons que nous avons perdu une chefferie à Badin, mais nous l'avons récupérée à Futuni. Donc, jusqu'à maintenant, la lignée des rois qui sont à Futuni, ce sont les enfants de cette concession, de ma concession à Bameka. Donc, voilà un peu comment nous arrivons à Bameka. Et quand nous y arrivons, nous sommes des princes Badin, ça veut dire que de la classe royale. Et nous y vivons jusqu'à maintenant. Nous sommes déjà la troisième génération et tout se passe très bien. Nous avons donc un pied sur Badin en tant que, n'est-ce pas, fils Badin. C'est le sang Badin qui circule dans nos veines. Sauf que nous sommes un peu plus culturellement Bameka. Nous avons également le pouvoir de guérison. Et chaque fois qu'il y a la disette dans un groupement, chaque fois qu'il y a un fléau, le Kungan doit agir et saigner. Et pour cette circonstance, mesdames et messieurs, le Kungan qui a dans cette vidéo ici, nous viennent un peu partout. Attention, tu es dans mon champ. Ce sont eux qui se chargent de l'exorcisme d'un certain nombre de mots dans nos groupements. C'est tout simplement des hommes. Sébastien n'est pas seulement le fils du chef Badin. Il a une relation bien liée à Futuni. Le Kungan que vous voyez là vient de Futuni, de partout à l'ouest, mais invité par le chef Futuni. Le chef Futuni, je peux dire qu'il est le fils de Talamari, il est le fils de Tenkula Ndiap à Bameka. Il a succédé, il a quitté Bameka pour, sa mère a quitté Bameka pour se marier à la chefferie
Fortuny. Et là-bas, il a accouché un gros garçon que finalement il a succédé. Hein? Mais pour, même le Kunganga, nous demandons à Tala qu'un jour il parte même demander à son père de Fortuny, il a devenu implanter ça dans Bamika et chez lui. Nous avons besoin. Je crois qu'il envoie, puisqu'il a rempli toutes les conditions. Voilà. Depuis l'avènement de, son père, il a rempli toutes les conditions pour être adhérent à part entière. Voilà. D'après ce que j'ai compris. Bien sûr, nous allons faire, mesdames et messieurs, nous allons leur laisser la séance. Ce sera une étape science d'exhibition et même d'exercice. Voilà. J'espère que le général qui m'a suivi. Nous avons beaucoup de malades ici. Et nous espérons qu'à la fin de leur évolution, un notable dans un village comme dans l'autre, surtout quand ce n'est pas un anoblissement, ça vaut. C'est-à-dire que si vous êtes un notable à Badin et que vous êtes un notable à Bamika, ça n'enlève rien, n'est-ce pas, sur votre qualité et notabilité, ou bien peut-être ça n'augmente pas grand-chose. En réalité, je suis notable à Bamika de par mon grand-père. Mon grand-père a servi à la chefferie Bamika, et quand il en sort, on lui donne le nom de Folanjak. Et maintenant, quand je vais à Badin, vous parliez tout à l'heure de la voiture que j'avais offerte, n'est-ce pas, que j'avais offert à mon grand-père de Badin. Quand je lui offre donc cette voiture, il m'anoblit et me lève au rang de bain de ferme Yolette au niveau de Badin. Et quand il le fait, généralement quand un roi qui n'est pas le roi de ton village de où tu vis te donne ce genre de nom ou bien t'anoblit de cette façon-là, qu'est-ce qu'il fait? Il saisit, n'est-ce pas, son homologue du village là où tu vis pour lui signifier ce qu'il a fait, son anoblissement, le nom qu'il t'a donné. Et il appartient au roi de ton village où tu vis, n'est-ce pas, de te lever à ce rang-là d'une façon officielle. C'est-à-dire, quand il le fait, c'est encore officieux. À Badin, d'accord, on m'appelle Mbé de Ferme Yolette. Mais à Bamika, je demeure de faire l'Andjab jusqu'à ce que mon roi, n'est-ce pas, en décide autrement. Et je ne crois pas que ça sera de sitôt. Donc, pour le moment, vraiment, je reste Ndefelanja Bamika. Et quand j'arrive à Badin, ils sont libres de m'appeler comme ils veulent. Mais pour le moment, je suis Ndefelanja Bamika. Donc, voilà. Voilà un peu ce qui s'est passé. Alors, est-ce que vous avez un projet d'entériner Ndefelanja Bamika? Est-ce que vous avez l'intention, un projet d'entériner Ndefomeyolet à Bamika, ou vous voulez vous contenter de Ndefolanja? Vraiment, j'aurais bien souhaité que mon défunt papa de Badin, le chef majesté, le défunt Fautale, qui soit encore vivant, pour, n'est-ce pas, en décider autrement, pour prendre les devants. Je me sens un peu fragilisé pour moi-même mener, n'est-ce pas, les démarches par rapport à cet anoblissement. Mais on ne sait jamais, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais en ce qui me concerne, vraiment, il n'y a rien qui me presse. C'est pas, je ne cours pas derrière un nom quelconque. Donc, mais par respect pour sa mémoire, je sais que le nom est là. Et on verra, peut-être à l'avenir. Ça pourra être moi, ça pourra être mon enfant demain si jamais je ne suis pas là. Donc, pour ces choses-là, très souvent, ça prend beaucoup de temps. Mais on est là et on va vivre avec, on va voir ce que ça va donner. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Thank you.
Voilà, mesdames, messieurs, il est temps de les encourager. Il est temps de les encourager, s'il vous plaît. On peut se lever pour les encourager. Je vous rappelle que sans eux, ce qui est là, la pluie ici depuis longtemps. Vous sont les notables de Vanuka. Vous sont les princesses. Vous sont les jeunes. Vous sont les enfants d'une belle féminolette. Vous sont les princesses d'une belle féminolette. Venez encourager le combat, s'il vous plaît. Bon, levez-vous alors rapidement. Rapidement! Je compte jusqu'à 5. Où sont les enfants de Mbeni Femmeolet? Sinon, la pluie va descendre tout de suite ici. 2. 3. Où sont les enfants de Mbeni Femmeolet? Rapidement! Allez, si. Allez, si. Viens d'improviser sans de tout. Merci. Merci, je voulais juste que tu décales. Voilà, ça y a commencé. La séance de purification a commencé. Ne peuvent avancer que ceux qui sont clairs. Si tu te reproches quelque chose, n'avance pas. Viens seulement paroter. La séance d'exorcisme a commencé. C'était une confédération de plusieurs, n'est-ce pas, cellules de Konga à l'ouest. Tout simplement parce que moi, étant un des membres influents, en parenthèse, je suis membre là-bas du côté de ma mère, du côté de ma mère qui est de Futuni. Vous comprenez? Donc, nous avons beaucoup d'acquaintances. Donc, je suis un membre influent au niveau de ma cellule locale. Et quand j'ai un événement, quand un événement me concerne, n'est-ce pas, ils essaient de contacter les autres cellules. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison que vous avez vu tout cela. Il y avait au moins 5 cellules qui étaient présentes. Et je pense que tout s'est bien passé, c'était bien préparé, je peux dire, c'était très très bien préparé, et tout s'est bien passé, et voilà, donc c'était un événement pour moi important, je ne pouvais le faire, n'est-ce pas, sans que le Konga, qui est une danse qui me concerne, n'est-ce pas, ne soit présente. Ce Konga a fait les funérailles de mon père, il était hors de question que ce même Konga ne fasse pas les funérailles de mon grand-père. Donc ça devait être un peu quelque chose d'anormal. Donc voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi vous avez vu un si grand déploiement de cette danse mystique et mythique de l'Ouest. La séance de l'exercice de la purification a commencé. Ne peut avancer que ceux qui ne se reprochent de rien. Tu viens avec le bien, tu récoltes le bien.
Le Kungan, comme vous venez de voir là, quand ils arrivent quelque part, ils bénissent le lieu. Et plus, celui qui est venu étant malade, doit prendre ta guérison avec le Kungan. Si tu viens pour tanger quoi que ce soit, c'est toi-même qui va rentrer avec ce que tu es venu avec. Donc, Kungan sort selon l'intention que toi tu viens avec. Si tu viens par exemple, que tu veux voir qui sont les gens là, tu vas les voir. Et tu viens pour la bénédiction, tu vas rentrer à la bénédiction. Le Kungan, c'est une danse de paix. Quand il y a quelqu'un qui est mort, soit une maman, soit un papa, soit un adhérent de Kungan, il doit venir pleurer leur personne. Et là maintenant, les gens doivent profiter et venir massivement prendre la bénédiction. Dans ce mythique et mystique de Kungan, nous allons faire une manifestation du Samali, le Samali venant de Damita. Voilà. Une danse patrimoniale, une danse mixte, voilà, une danse personnelle, chacun peut danser, chacun peut chanter par rythme. Voilà, le Samali. Thank you.
tous les gens de Baden, nous les avons vus. Ils ont manifesté leur fierté au milieu de nous. Donc nous, les Bamekas, nous allons rentrer étant fiers et en sachant que Tala est un élément bien fort à Baden. Et il est un fils du chef Baden. Et il deviendra aussi le fils du chef Bameka fortement, puisqu'on lui a donné un nom ici. Bon, nous allons le prendre maintenant pour aller à Bameka arranger le nom là. Le chef Bameka ne peut pas refuser. Quand son collègue donne son nom, nous ne pouvons pas refuser à Bameka. Comment est notre. Nous pouvons appeler même fils ou petit-fils. Donc il est valable à Baden comme il est valable à Bameka. À Bameka, il ne baisse pas ses bras. Ici, à Baden, il ne baisse pas ses bras. Pourquoi nous n'allons pas joindre la main Baden-Bameka pour l'avancer? Donc nous promettons qu'il soit notre Paul Biya dans l'avenir.